J'ai rencontré des travailleurs du RAPP de l'Assemblée nationale pour les inciter et les sensibiliser sur le mal de dos, les conscientiser sur les bons gestes, l'économie de mouvement afin d'éviter ce mal ou de mieux gérer cette douleur qui touche tout le monde aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le sexe et quel que soit les âges. Et suite à deux formations, nous avons découvert ce que c'est que le dos, ce que c'est que le mal de dos. Et je suis passée aussi par cette opportunité pour sensibiliser sur la kinésithérapie et son implication dans chaque domaine de la santé et chaque spécialité médicale. Et ensuite, maintenant, ce que c'est que l'école du dos. Nous allons passer à la pratique où nous allons apprendre les bons gestes à faire et comment se tenir au travail pour un meilleur rendement, une meilleure santé et un épanouissement pour l'être humain. Les fonctionnaires parlementaires étaient très intéressés, très curieux et ils sont encore demandeurs parce qu'ils se sont rendus compte que la moindre chose sur laquelle on n'a pas attiré leur attention, c'est-à-dire les notions, les habitudes par le passé, et beaucoup d'entre eux souffrent déjà du mal de dos.